En coton. Please be seated. Veuillez vous asseoir, le président. The court is now back in session. Reprise de l'audience. Yep. And Judge Laverne, you have the floor. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. Monsieur le témoin, je voudrais Witness, que nous revenions sur les documents the qui vous ont été présentés hier par Monsieur le procureur. Co-prosecutor. Vous vous souvenez qu'hier soir, on vous a présenté, evening, c'était le dernier document, le document numéro document E3/4093, et vous aviez demandé à pouvoir consulter votre avocat, to speak to et ce matin, on vous a à nouveau morning, posé une question concernant ce document. Regarding this document. Je vais relire so I'm going to read again la réponse telle qu'elle a été notée ce matin. As it was noted down this morning. J'aimerais apporter les I précisions would like suivantes. To provide the following clarification. Tout d'abord, First of en all, tant qu'assistant du comité, a deputy je dois dire of the que committee, c'était Ta Ron that it was Ta qui Ron était en charge who was du in charge district. Of the district. Donc, à un échelon so, supérieur. He was above me. Avant d'effectuer une tâche, Before quelle qu'elle soit, I would, je devais task, demander l'autorisation was, de Ta Ron. Donc, so, toutes les décisions ont été prises par Ta Ron. Pour ma part, je me contentais de coucher par écrit les décisions prises par Ta Ron. Et je puis and, répondre par l'affirmative pour dire que tout balayé tout nettoyer, sweeping everything voulait dire clean meant exécuter. To execute. Monsieur le témoin, so, j'aimerais witness, que vous nous disiez like clairement to tell us clearly si aujourd'hui if today vous reconnaissez être le signataire du document being the person who signed this E3 document E3/4093. Est-ce que vous voulez que je vous présente like à nouveau me, ce document pour que vous puissiez l'avoir sur les yeux so you et vérifier si c'est bien so votre signature et votre really signature. As I already stated, le témoin, comme je l'ai déjà dit, and Your Honor already read out my script. All the tasks de ce que j'ai dit had to be decided by Taron, who was chief of Sector 13, and Tramcock District was one of the districts under that sector. So I had to have the authorization or approval from him. And based on his decision, then I would write down. Ensuite, on the issue of the signature sa décision à lui. In document E3/4093, dans le document dated 7 August, I acknowledge it is my signature. Je reconnais que c'est ma signature. However, in Cependant, another document, dans un autre document, that is document, le document D157.1. 101 with the date of 7 of March daté avec la date and with my mars, and with the name San, I must say San. The handwriting in this Je particular document ici, is not my handwriting. Ce n'est pas mon écriture.
And that document also bears an E3 number, that is E3/2785. And once again, I'd like to clarify that the handwriting in this particular document is not mine. Merci, Monsieur le témoin, pour ces précisions. For this donc, clarification. Je retiens que dans le document E3/4093, vous reconnaissez à la fois votre écriture et votre signature. As well as your handwriting. That is what you are telling us, correct? Yes, that is correct. However, as I stated, I only followed the instructions laid down by Taron. Voilà. Et donc, dans le document E3/2785, vous nous dites que ce n'est ni mon écriture ni ma signature. Alors, je précise que le document E3/2785, les ERN pertinents en Khmer sont 30079115. En anglais, 2x0 32 21 93. Et en français, 2x0 75 36 36. Voilà, donc j'ai bien compris. So I understood well. Dans le document E3/2785, ce n'est ni votre écriture, ni votre signature. 2795, this is neither your handwriting nor your signature. Oui. Vous confirmez ce que je viens de dire ou... Do you confirm what I just said or... Yes, that is correct. The handwriting is not mine and the signature is also not mine. That's why it is very difficult for me, and that's why it confuses me. On va revenir sur ces problèmes. Okay, we will get pour l'instant, j'aimerais qu'on fasse later, un tour d'horizon de tous les documents like to qui ont été présentés hier. Donc j'aimerais qu'on vous présente à nouveau, like monsieur le témoin, le document E3/2422. Si if you Monsieur, could, if the court officer could please provide document this document témoin, to the witness, je l'ai à disposition. I have it here at hand. Bah. Je précise que l'ERN pertinent en Khmer est 3x0 79 127. L'ERN pertinent en français est 2x0 61 17 32. L'ERN pertinent en anglais est 2x0 32 22 10. Ce document se lit la façon suivante. And the document, reads as follows. Premièrement, interroger le méprisable Ulmoy, qui est du grade sous-lieutenant, et lui demander de révéler la filière à laquelle il appartient. Est-ce qu'il s'est bien enfui à la montagne de Khrosrey? Est-ce qu'il a une filière à Chamkar Seng ou pas? Et qui sont-ils? Deuxièmement, à propos d'un homme appelé Sikh qui vous a été envoyé hier, je voudrais vous proposer de l'interroger pour identifier sa filière de commandement
to il faut lui demander his command network, combien de personnes ont été désignées par lui, quelles sont ses activités. Je vous prie de l'interroger à fond. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire si, oui ou non, vous reconnaissez votre signature, et si oui ou non, c'est votre écriture. And if you recognize your handwriting. The handwriting is not my handwriting. Ce n'est pas mon écriture. Also, the signature is not mine. La signature n'est pas non plus la mienne. Alors, je vais vous présenter un nouveau document qui vous a également été présenté hier. C'est le document 2453. Donc, il est également à votre disposition. Le RN en Khmer est 2x0, 27, 07, 74. Le RN en anglais est 2x0, 38, 85, 77. Le RN en français est 2x0, 61, 17, 69. Et la partie pertinente se lit comme suit. À l'attention du camarade Mitt, à titre d'information, au sujet de Flong Fala et Pen, j'ai donné l'ordre au camarade Naum de les envoyer à la police du district 105, daté du 18 octobre. Alors, s'agit-il là, monsieur, de votre signature, so, is this your signature et de again? Votre écriture and, your handwriting? Both the handwriting and the signature are mine. Tant l'écriture que la signature sont miennes. And I wrote that after I got the approval from Ron. J'ai obtenu l'approbation de Ron. It is very hard for me to read here whether it's a brother cut or brother nut. Est-ce que c'est cut ou est-ce que c'est nut qui est écrit? On reviendra là-dessus. We'll get back to that later. Je voudrais vous présenter un dernier document, monsieur. Il s'agit du document E3-2444. Le RN pertinent en Khmer est 2x0, 27, 10, 29. Précise que la copie est de très mauvaise qualité. Ce qui nous concerne, c'est sur la partie droite de cette page. Et le RN pertinent en anglais est 00, 32, 21, 49. Et en français, 00, 62, 33, 42. Donc, est-ce que vous reconnaissez la signature sur ce document comme étant votre signature et est-ce que vous reconnaissez l'écriture comme étant la vôtre?
I cannot read this document clearly. Je n'arrive pas à lire clairement ce document. Bien, bah écoutez, on va noter que vous n'arrivez pas à le lire. So we're going to note down that you were not able to. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur le document E3/2453. C'est un document où vous venez nous dire que vous avez reconnu votre signature. In which you say you recognize ce document est en date du 18 octobre. Apparemment, ce que vous nous dites, c'est que vous avez écrit ce document après avoir pris des instructions auprès de Taron. Comment est-ce que vous communiquiez avec Taron qui était au niveau du secteur? Aviez-vous des messagers? Would you send messengers? My house was located in Liebo, and the location from my house to Taron's place was 6 kilometers, and in fact I used a motorbike to go to his place. I would report to him, and then he would make a decision, and then I would write down his decision. Le message, en l'occurrence, est adressé au camarade Nit ou au camarade Kit ou Ket, je ne sais pas très bien. Kit, I don't really know exactly. À qui écriviez-vous? So, to whom would you write? I wrote this to brother Kut. J'ai envoyé ça au frère ou camarade Kut. Qui était le camarade Kut? Who was comrade Kut? In fact, I already responded as to who was Kut. Kut was the secretary of Tramcock district. And this information concerns Ongtasaum. And I sent this letter. In fact, I reported about this event to Taron, the sector committee. Auprès du comité du secteur Taron. Cette réponse fait suite à un compte-rendu qui a été adressé par un nommé Sam. En tous les cas, Sam. Mais peut-être que je ne prononce pas très bien en khmer, right, mais la signature juste au-dessus, en français, se lit Saum. Reads as Saum in French. Quelle signature lisez-vous which juste signature au-dessus can you et read right above? À qui cela correspond-il? And, to whom does qui this vous signature a écrit? Correspond? Who wrote to you? Timur. The signature and the name is Sao. However, about that, it is a Khmer abbreviation for the area known as Ong Ta Saum. L'abréviation en Khmer pour Ong Ta Saum. So after Chaum from Ong Ta Saum brought that information to me, I reported it to Taron, and after Taron made
his decision. Then I wrote down that decision for brother comrade Gut. Donc, est-ce que en l'espèce, vous souvenez qui vous a écrit précisément? Est-ce que vous vous souvenez quelle est la personne qui vous a écrit et quelle était sa fonction? The charm got the charm. Who brought me that information? C'est lui qui m'a transmis cette information. That he wanted to send it through the district, but because I was closer to him, mais comme j'étais plus proche de lui, that's why I brought that information to Taron, so that he could make his decision, and after Taron made that decision, I wrote it down, and then I relayed it to brother comrade Gut. Quelle était la fonction de Tachan? Est-ce qu'il était à la tête d'une coopérative, d'une commune? Quelle était exactement sa fonction? What exactly was his position? Ta Chaum chia bà thiên khung. Ta Chaum was commune chief. Réponse, Ta Chaum était le chef de la commune. De quelle commune? Commune chief of which commune? De quelle commune? Which commune? Phum Ang Ta Saum. It was Ang Ta Saum commune. Commune de Ang Ta Saum. Bien. Fine. Dans votre réponse, in your answer, vous dites: j'ai donné l'ordre au camarade Naum. En tout cas, c'est ce que je lis en français. Qui est le camarade Naum? Who is comrade Naum? In the documents that I have in my hand, there is no such name. Peut-être est-ce Naum. It is possible that it is Naum. 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 Est-ce que vous lisez quelque chose qui ressemble à Naum? Can you read anything that looks like Naum? The name is Chaum. Le nom est Chaum. Bien. Et alors, qui est cette personne? Very c'est well. Le même? Who is that person? Est-ce que c'est celui qui is vous that a the same écrit? Person who wrote to you? Est-ce que le Chaum dont il est question est le même que celui is qui vous a envoyé le compte rendu? Chaum, the person who sent you the report. It was the same person. C'est la même personne. The person named Chaum, who Chaum signed above that information from Ang Ta Saum, was the same person that I wrote in that brief letter. Dans ce bref courrier. Alors, j'ai encore une question. Vous écrivez: j'ai donné l'ordre au camarade Chaum de les envoyer à la police du district 105. Alors, qu'est-ce que c'est que la police du district 105? Who are you referring to when you talk of the police of district 105? Nakobal. Answer. District 105 police. La police du district 105. It was a place where they examined
c'était l'endroit and they interrogated où l'on examinait, people who were sent to that place. Les gens qui y arrivaient. Où était située cette police? Where was that police station situated? And, as far as I know, there was a place where the police stay. It was to the west of the district office, and also the west of Angroka. It was in a small house, two or three small houses, small houses, plutôt d'un ensemble de petites maisons, which is deux, trois ou quatre maisons, which is to the west of Angroka market at the current time. And those houses were roofed with sugar palm leaf. Et les murs étaient en feuilles de palmier à sucre. Qui était en charge de ce bureau de police? Who was in charge of that police office? Answer. I don't remember any name until today. Je ne me souviens d'aucun nom aujourd'hui. It was not that I am reluctant, but I don't remember. I don't recall any name now. Mais je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens d'aucun nom aujourd'hui. Et alors, je vais revenir un petit peu en avant et je vais donner lecture du compte rendu. En tous les cas, de la partie qui me paraît pertinente. Il est dit ceci, à propos de la situation des jeunes rattachés à l'unité de l'Assemblée de la Jeunesse. En français, on dit l'unité de concentration, mais je pense qu'en anglais, on dit the Youth Assembly Unit. Le chef de cette unité a incité les petits-enfants à voler. Il s'appelle Flong Fala. Lorsqu'il était à Phnom Penh, il a commis du mal et a volé. Quand nous l'avons arrêté, nous l'avons envoyé à la prison. Il a organisé un plan en ordonnant à Pen On de continuer à voler. Ce dernier a planifié de percer les sacs de riz décortiqués pour en faire cuire. Mais il a été arrêté et envoyé au centre de détention de la commune. Que l'Ankar prenne en considération, quelle que soit la décision que prendra l'Ankar, je vous prie de m'en tenir au courant. Alors, je note que dans le rapport que vous recevez, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a tenté de voler du riz et qu'il est envoyé au centre de rééducation de la commune. Alors, où est ce centre de rééducation de la commune? Est-ce que le centre de rééducation de la commune, c'est la même chose que le bureau de la police du district 105? Is that center for re-education the same thing as the district 105 police station? Answer. So, your reference seems to be unclear to me. Were you referring to Ang Tha Sam? Which place are you talking about? Ou d'un autre endroit? Monsieur, je vous ai lu le compte rendu qui vous est adressé. Dans ce compte rendu, il est dit que Flong Fala it is said that a été envoyé au centre de rééducation de la commune. Ce qui est dit en français et en anglais, on dit the re-education site. In English, it is referred to alors, as a re-education site. Qu'est-ce que c'est que ce centre de ou ce lieu de rééducation de la commune? Où est-ce qu'il était situé? Commune re-education site.
they are referring to? Where was it situated? Answer. It is. It was in Ang Ta Sam. I don't know the place. Mais je ne sais pas où exactement. I don't know where the Ang Ta Sam re-education center was. It was for minor offense, including stealing and theft. Ayant commis des infractions légères, the matter was discussed with Taron. And Taron decided to send them to the district police center, which is next to Ang Reka. It was for re-education of the light offenders. Donc c'était à des fins de re-education des délinquants discussion mineurs, with comrade Ron, I wrote to inform brother Kit. In the sentences and phrase that you have just read to me. Ce que vous venez de me lire. Donc, on a un bureau de rééducation, un centre de rééducation à Ang Ta Sam. On a un bureau de police du district 105 qui est à côté de la pagode d'Ang Roka. Qu'est-ce que faisaient les gens envoyés au bureau de police du district 105? Became of people who were sent to the district 105. Ils étaient détenus police station. Ou bien est-ce qu'ils travaillaient dehors? Were they detainees or they worked outside of that office? Those light offenders were re-educated while they were made to do labor every day and they were interrogated. That's all I knew about the center. Monsieur le témoin, vous nous dites donc que quand quelqu'un faisait l'objet d'un rapport pour une faute légère, vous deviez aller en rendre compte vous-même au niveau du secteur à Taron pour qu'il vous donne ses instructions et qu'on envoie ensuite la personne concernée au bureau de la police 105 où il était rééduqué. C'est bien cela. Toutes les fautes, même légères, devaient faire l'objet d'un rapport qui était adressé au niveau du secteur. Et c'était le secteur qui prenait les décisions pour savoir où les personnes devaient être envoyées. Est-ce que j'ai bien compris? What to do with those persons or where to send them? Have I properly understood your testimony? Answer, yes, you are correct. Oui, c'est exact. I was simply followed Taron's order. Moi, je me contentais de suivre les ordres donnés par Taron. Est-ce que vous vous rendiez, est-ce que vous alliez souvent faire des comptes rendus à Taron? To report to Taron. Didn't happen very every day. Cela ne se produisait pas from tous time les jours. To time. Cela était le cas uniquement de temps en temps. Et que se passait-il si on considérait que la personne n'avait pas commis une faute légère, mais une faute grave? Ou est-ce que cette personne était envoyée? Where would such a person be sent to? Answer. I don't know the detail about that.
Je ne connais pas les détails en la matière. But the place to the west of Angrokan Market, qui était à l'ouest du marché d'Angrokan, was the District 105 police center. Était bien le I don't know le centre de police the decision made by that office to further send the person to another place. It is beyond my knowledge. I don't know. D'envoyer les gens ailleurs. Je n'en sais rien. Quelle était la différence entre une faute légère et une faute grave? And a serious offense. Qu'est-ce qui était une faute légère? Qu'est-ce qui était what une faute was grave? A light offense and what was a serious offense? Answer, I would like to consult with my duty counsel, Your Honor. J'aimerais consulter mon avocat avant de répondre, Monsieur le juge. Judge. President, you may proceed, witness. Allez-y, Monsieur le témoin. President, Mr. Witness, you may respond to this question because this is a kind of question that will not incriminate you when you respond. So you testify to some extent as regards light offense and serious offense, you can give an example before the chamber to make the distinction between light offender and serious offenders. Your consultation with your duty counsel is only for those questions that may lead to incriminate yourself when you respond or you make any assertion. So you may give the answer to this question. Answer. Le témoin. Light offense, including stealing of rice or cassava, voler du riz, voler du manioc, and immoral misconduct or laziness, were considered as light offense. And when the person committed an activity in form of CIA agent or KGB agent, they will be considered as serious offenders. Du KGB, alors là, il s'agissait d'une faute lourde, d'une faute grave. Et quand les gens étaient accusés d'une faute grave, étaient-ils envoyés? When someone was accused, et qui décidait de les envoyer? Where would that person be sent to? And who decided where he would be sent? Answer.
the district security office, le bureau de sécurité du district, would send them at the request, and they also request the sector office, and then they send the people à la demande to du secteur, the security or to the re-education center for serious offenders. But I don't know where it was. Destiné à accueillir précisément ceux qui avaient commis des fautes graves, mais je ne sais pas où se trouvait ce centre de rééducation. So it fell under the district security office. Bureau de sécurité du district. Vous ne savez pas où était le centre ou le bureau de sécurité du district. Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Of the district security office, but do you at least know the name of that office? Answer. I heard people saying that Anne. Dire Anne. J'ai entendu des gens parler de Anne. Donc Anne était le responsable de ce centre. On est d'accord? Was the person in charge of that center. Correct? Bon. Answer, yes. Oui. Est-ce que vous avez entendu le nom de Kreng Tan Chan? Did you hear the name Kreng Tan Chan? Kreng Tan Chan ni khnyom. Answer. To be honest, Krang Tachan, I did not know where Krang Tachan was when during the regime. It was until the warring with the government, and then there were radio broadcasts, and it later became the Museum of Krang Tachan, and then I heard after that, so but during the regime I don't know where it was. When I was working at Lebo, I would travel only up to Ang Roka area. That's all I can remember. Voilà tout ce dont je me souviens. Bon, donc je vais essayer de résumer ce que vous avez dit cet après-midi. I will try to sum vous avez dit que quand vous receviez des rapports de responsables de communes, vous faisiez vous-même rapport au niveau du secteur et le secteur décidait quelle était la suite à donner. La suite à donner, ça pouvait être d'envoyer des gens au centre de rééducation, au bureau de la police 105 ou au centre de sécurité qui était à Krang Tan Chan. Est-ce que c'est bien cela ce que vous nous dites? Tachan. Is that indeed what you have stated? Answer. All matters were decided by Taron, who was sector secretary. I was the only one, the only person who report to him, and I did everything at his order. This is my short answer for you. So when he ordered me to send anything or anyone to any place, I will ask the district militia to implement that order. Est-ce que parfois on vous donnait l'ordre de nettoyer that les prisonniers? You were ordered to clean up, to sweep clean prisoners. គេ មិន ដែល បញ្ជា ឲ្យ ខ្ញុំ បោស សម្អាត អ្នក ទោស ទេ. No, I was not ordered to sweep clean any prisoner. Non, je n'ai pas reçu l'ordre de nettoyer ni de balayer. Les prisonniers.
Alors, monsieur, j'aimerais que vous relisiez le document E3/40/93. Sauf erreur de ma part, vous venez de reconnaître que vous avez signé ce document et que ce document a été écrit par vous-même. Je vais donc en donner lecture. Cher Bang Chun, bien-aimé, en ce qui concerne des prisonniers de la commune de Changtong, je vous demande l'autorisation de prendre les enfants qui sont encore accrochés à leur mère. Si les enfants étaient grands, il faudrait les envoyer dans l'unité itinérante ainsi qu'à l'unité des mères, à l'unité des enfants. Une fois qu'ils sont arrivés, il faut qu'ils attendent là-bas. On prendra uniquement la mère. Si ces enfants n'arrivaient pas à se décrocher de leur mère, il faudrait les emmener également, tout simplement. Une fois que l'interrogatoire sera terminé, il faudra tout balayer, tout nettoyer proprement. À propos des veuves qui sont venues de Trapeng Tom du Nord, de nos jours, elles sont chez le camarade Meng. Je vous demande de tout balayer, de tout nettoyer proprement. Cela me paraît être en contradiction avec ce que vous venez juste de nous dire. Alors, est-ce que oui ou non, vous avez reçu des instructions au niveau du secteur pour nettoyer certains prisonniers? To sweep clean certain prisoners. Answer. I receive order from Taron. Taron discussed with some, but and he ordered me to write. To write like this, so I wrote based on his dictation, but I did not do anything like sweep them all clean in my own discussion or my own decision. No, I never did that. Je ne l'ai jamais fait. If I refuse to follow the order from Taron and Tabut, I would be endangered. If I did not write following his dictation of this word, I would be in trouble at the time. J'aurais été en danger. Donc, ce que vous nous dites, c'est que vous avez transmis des instructions de tuer des mères, de tuer des enfants très jeunes qui ne pouvaient pas se séparer de leur mère, que vous n'avez pas tué vous-même ces enfants, mais que vous avez transmis des instructions pour que cela se fasse. Est-ce que c'est exact? Those orders be carried out. Is that indeed what you're saying? Answer. I was the one who convey the order, or I convey the words at the order of Sambut and Taron, who already made the decisions. So I was writing, but I wrote as dictated by Taron and Sambut. I did not did it on my own volition or willingness. Donc, tous ces gens avaient commis des crimes graves. So all those people, les enfants, les nourrissons offenses, qui étaient encore dans les bras de leur mère, avaient commis des crimes graves. Who are still in their mother's arms had committed serious offenses. Mm-hmm.
Answer. I had to do to follow the order from Taron and Sambut. Suivre les ordres donnés par Sambut et. But to any further Taron. Details, I don't remember. Mais je ne me souviens them pas des all autres now. Détails. Je ne me souviens pas de tous ces détails aujourd'hui. Est-ce que vous suiviez ces ordres par loyauté, parce Did que vous étiez un bon et fidèle membre du Parti communiste du Kampuchea, ou est-ce que vous suiviez ces ordres parce que vous aviez peur, sinon de subir des conséquences dangereuses pour vous-même? Suffering the perilous consequences yourself. Answer. I did this for fear of Je l'ai fait my life. Parce que j'avais peur. Je craignais pour ma vie. Because my brother, who disappeared, was my example during the regime. Je pensais à lui sous le régime. Pourquoi Taron ne signait pas lui-même les rapports Taron que vous lui remettiez? Not signed the reports you handed to him himself. Pourquoi Taron, à qui vous faisiez rapport, ne signait pas les comptes rendus, les instructions qu'il pouvait Taron ensuite donner? To whom you gave reports, pourquoi vous laissait-il sign them signer himself? Ces instructions? Why would he ask you to sign his instructions? Answer. He made an oral order to me and ordered me to dictate his order because he was not the one who was good at writing. Car il n'était pas très bon en écriture. Donc c'est parce qu'il ne savait pas bien écrire qu'il laissait la responsabilité à vous, l'intellectuel de Tramkak, d'écrire les instructions pour tuer les mères et les enfants. C'est vraiment la raison, parce qu'il ne savait pas bien écrire. Et il ne savait pas signer non plus. Yes, because he did not know how to write that well. That's why he ordered me to write it. Voilà pourquoi il m'ordonnait d'écrire à sa place. Bien, on va aborder d'autres questions. We will bring up other issues now. J'aimerais que vous nous disiez, monsieur, quand est-ce que l'on a commencé à vous appeler San. They began calling you San or Tasan. Recall the date or when. Réponse: je ne me rappelle pas de la date I ni was du known moment. By that name. À partir duquel people in Kohandaït also call me San when I was there, and when I moved to Tramkok, they also call me San. On m'appelait également San. Donc, pendant toute la période du Kampuchea démocratique, vous étiez uniquement connu comme étant San, San Tasan, or Tasan, ou bien étiez-vous aussi connu sous un autre nom as someone else, under another name? J'étais seulement connu sous le nom de They San. Did not know my birth name, that is Ninh Uj. Mon nom de naissance, Ninh Uj.
Est-ce que au niveau du district de Tramkak, il y avait d'autres cadres que l'on appelait San, also called San, or whom they would call San? There were people by that name in other communes, though I cannot recall the name of the commune. Est-ce qu'il y avait des gens, qui des cadres, qui travaillaient au niveau du district et qui auraient pu faire rapport au secteur comme vous-même vous le faisiez? Et des gens qui se seraient appelés San. And people who would have gone by the name San. No, I already stated that there were men by that name at a commune or communes, but I can't recall the name of that commune. Ce nom dans d'autres communes dont je ne me souviens pas du nom. Est-ce que ces autres personnes allaient faire rapport au secteur? To the sector? I did not know. Je ne savais pas. Bien. Fine. Est-ce que quand vous étiez au district, il vous est arrivé de recevoir des instructions écrites du secteur? Did you sometimes receive written instructions from the sector? I never received any written instruction with a signature from either Taron or Tabut. They would come to my place or call me to go to their place and relay their instructions. The instructions did not exist in a written form. They never did that. Vous avez répondu ce matin à un certain nombre de questions qui vous ont été posées par la juge Fence concernant les liens que vous pouviez avoir avec la famille de Tamok. Alors, je voudrais tout d'abord clarifier un point. Comment s'appelle votre épouse? Et votre épouse était-elle la sœur de Tamok ou une fille de Tamok? Or was she one of Tamok's daughters? My wife's name is Ong Kuen. Ong Kuen, tel est le nom de ma femme. She is the young blood sister of Tamok. Elle est sœur cadette de Not Tamok, his daughter. Biologique, mais pas sa fille. Donc, vous êtes le beau-frère you are de Tamok. Tamok's brother-in-law. Est-ce que, en dehors de ce lien d'alliance, vous étiez également cousin? Were you also Est-ce que a vous cousin? Aviez des tantes en Did commun? You have Est-ce common que aunts? La mère de Tamok avait des liens avec votre famille? Did Tamok's mother have any ties with her, with your family? I was the younger brother-in-law of Tamok, and I did not have any further relationship than that, as I was in Kandahar province, where Tamok was in Takai province. We were only related in the name of the in-law because I married his younger sister. Celle de l'alliance puisque j'ai épousé sa sœur cadette.
Alors maintenant, j'aimerais que vous me donniez les noms des autres sœurs de Tamok, ainsi que de ses frères, et que vous me disiez quelle position ils ont occupée pendant le Kampuchea démocratique. They held during the Democratic Kampuchea period. Ses sœurs. So first tell me about his sisters. Kun, aside from Kun, your wife. On bantuap roba Tamok. The younger sibling of Tamok, name Chop. He passed away. Cadet de Tamok, il est décédé. And the next one, that is the next younger brother of Tamok, was Jom. Jom also died. Il y avait Jom qui est également décédé, qui était un autre jeune frère and de Tamok. Following Jom Cadet. Was Poon. Après Jom, il y avait Poon. He's a sister, and she also died. C'était sa sœur. Elle est aussi décédée. And after Poon was Koop, another Poon, younger sister. Encore she also died. Qui elle aussi est décédée. And then comes my wife, that is Koon. Koon. And there is another one. Poon Ken, the youngest sister. Encore une autre, Poon Ken, qui est la sœur la plus jeune. Not I. And that is all. C'est tout. Est-ce que le nom de Kepok and does vous the dit name quelque chose? Kepok ring a bell? I heard of the name Kai Po. J'ai entendu le nom Kai Po. Et qui a-t-il épousé Kai Po? Whom did Kai Po marry? I don't know whom. Kai Pok married through because I did not know him. Kai Pok parce que je ne le connaissais pas. Donc vous avez dit qu'il y avait un frère qui s'appelait Chok qui est décédé. Est-ce qu'il est décédé pendant la période du Kampuchea démocratique ou est-ce qu'il est décédé après? Même chose. Same thing Cham. For Cham. Est-ce qu'il est décédé avant, before, pendant during, ou après la période du Kampuchea démocratique? The Democratic Kampuchea et la même period chose pour the same for les autres the frères others, et sœurs. The other brothers and sisters. Tachok slap no. Tachok died. Tachok est décédé. When Vietnamese soldiers entered Cambodia in 1979. Sont entrés au Cambodge en 1979. And Chom also died. Chom, quant à lui, in the same year, that is 1979. Année, c'est-à-dire en 1979. As for Poon, Poon only died a few years ago from illness. Est mort il y a quelques années de maladie. And Koop died about 3 years ago from high blood pressure. À cause d'hypertension artérielle. Est-ce que votre femme ou une de vos belles-sœurs a été à la tête de l'hôpital du district 105? At the head of the district 105 hospital? Até. No. Réponse non. Et
Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les positions que vos beaux-frères et belles-sœurs occupaient kind pendant of la période du Kampuchea démocratique? Your brothers and sisters-in-law had during Cham, the democratic Kampuchea period. Chok, Cham, Chop, Bun, Kus. Quelles étaient leurs positions? What were their Est-ce qu'ils avaient positions? Des fonctions? What were their duties? Ta was in charge of Prey Kaba district. Responsable du district de Prey Kaba. Although I did not know his real position at in Prey Kaba district. Même si je ne connaissais As pas for son Chom, véritable poste dans ce Chom district, was in charge Chom, of Kpo Trobai commune in Tram Koh district. Dans le As for district. Poon and Kup Poon and my Poon wife, these femme, three sisters did not hold any position during the DK period. They were simply housewives. Alors, on sait so, que vous avez dit que la fille de Tamok, une Tamok's des filles de Tamok, comme one of Tamok's daughters, Yeikom a été à la tête du district 105. Was at the head of district 105. Que vous nous avez donné un certain nombre de noms, and you provided évidemment us de with personnes a number of qui ont été à la tête du district 105. Est-ce que vous pouvez nous dire si les noms suivants correspondent à des cadres du district 105. Correspond to cadres in Takiev. District 105. Takiev. Est-ce que Takiev, was Takiev a été à la tête du district 105? At the head of district 105. Takiev nang nau khnom kana srok 105. Takiev was within the district 105 committee. Which nam committee du district 105. Moi. And that happened since 1970 or 1971. And after 1971, I did not know what happened there because I was transferred to Kohandai district. Vous nous President, the time is convenient for a short break. We take a break now and return at 3:30. At 3 o'clock, rather. Court officer, please assist the witness during the break and have him return, as well as his duty counsel, at 3 o'clock. The court is now in recess.